Faire de la coopération internationale un puissant contributeur aux efforts de développement du pays. C'est l'ambition renouvelée par le ministre Denis Christel Sassou-Nguesso qui, lors de cette réunion du Comité national de coordination de la coopération internationale, a instruit les directeurs de coopération des ministères sectoriels à procéder à l'audit des accords de coopération signés par le Congo depuis sa prise de fonction en mai 2021. Il nous faut donc changer de paradigme en cessant d'analyser les performances de la coopération à l'aune de la quantité des accords que nous signons, mais plutôt à la lumière de la qualité de leur mise en œuvre par des projets concrets. Dès aujourd'hui et sans attendre, je vous enjoins d'effectuer un audit de la mise en œuvre de tous nos accords de coopération. Denis Christel Sassou-Nguesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, en sa qualité de président du Comité national de coordination de la coopération internationale, a défini des axes et perspectives capables de rendre dynamique la diplomatie économique qui passe aussi bien par la formation des acteurs impliqués. Notons également que ce travail nous permettra de mettre progressivement en place une base de données informatisée de tous nos accords et engagements internationaux. Par la même occasion, mesdames et messieurs les directrices et les directeurs de la coopération, nous verrons de concert avec vos ministères respectifs dans quelle mesure nous pourrons organiser des plans de formation continue dans l'intérêt de renforcer vos capacités. L'organisation cette année des festivités liées à la célébration des 60 ans d'établissement des relations bilatérales entre le Congo et la Chine, la 8e session de la Grande Commission de coopération mixte entre les deux pays, la préparation de la visite d'État du chef de l'État congolais en Chine et la 8e édition du Forum de la coopération sino-africaine sont des activités phares déroulées par le ministre à cette session inaugurale du Comité national de coordination de la coopération internationale.